Nous sommes censés vivre notre vie dans une communion constante avec Dieu. Alléluia. Alors lorsque les obstacles apparaissent, nous avons déjà la sagesse pour les vaincre. Quand est venu le défi de nourrir 5000 personnes, la Bible dit que Jésus savait déjà ce qu'il devait faire. C'est ce que la prière va faire pour vous et moi. Elle va nous permettre d'arriver à un niveau où nous connaissons et avons la sagesse de Dieu et la pensée de Christ. Priez combien de fois? Sans cesse. Est-ce que vous le voyez? Le Seigneur nous répète cette instruction dans sa parole. Il dit « Priez sans cesse ». Les hommes doivent toujours prier sans se lasser. Maintenant, il dit « Priez sans cesse ». Faites tout genre de prières et de supplications. Alors, vous pouvez voir que la Bible nous instruit. L'Esprit de Dieu nous instruit. Il dit que nous devons être en communion constante. Nous devons être constamment conscients et être en communication constante avec Dieu. Alléluia. Alors, quelles que soient les décisions que vous devez prendre, quelles que soient les étapes que vous devez prendre, que ce soit de petites ou de grandes étapes, souvenez-vous que vous avez besoin de la sagesse de Dieu. Mais plusieurs d'entre nous, la manière dont nous vivons et la manière dont nous menons notre vie chrétienne, c'est que nous avançons jusqu'à ce que nous croisions une barrière. Et alors, nous pensons à Dieu. Ce n'est que quand nous nous retrouvons devant une porte fermée que nous reconnaissons Dieu. Non, ce n'est pas de cette manière que nous sommes censés vivre. Nous sommes censés mener notre vie dans une communion constante avec Dieu. Alléluia. Alors, lorsque les barrières apparaissent, nous avons déjà la sagesse pour les vaincre. Lorsque vint le défi de nourrir 5000 personnes, la Bible dit que Jésus savait déjà ce qu'il fallait faire. C'est ce que la prière va faire pour vous et moi. Elle va nous permettre d'arriver à un endroit où nous connaissons et avons la sagesse de Dieu et la pensée de Christ. Que quelqu'un dise « Amen ». Nous allons voir Colossiens chapitre 4, verset 2, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, verset 4. Persévérez dans la prière. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Vous voyez, je vous donne 2 à 3 témoins dans la Bible. Alléluia. Plus de 2 à 3 témoins. Continuez dans la prière. J'ai regardé la définition du mot « continuer ». Et voici ce que c'est. Ça veut dire être sérieux, persévérer, être constamment diligent. Alors, il y a un effort constant, d'accord? Persévérer et être sérieux. Cela veut dire que mon cœur doit être connecté à Dieu, peu importe l'endroit où je me trouve. Que ce soit dans mon magasin, traitant avec mes clients, que ce soit à l'université, pendant que j'enseigne en tant que professeur, ou alors je travaille dans un hôpital, ou je travaille pour le gouvernement ou dans le ministère. Chacun d'entre nous doit se souvenir que nous avons besoin. Nous avons désespérément besoin de Dieu. Nous avons désespérément besoin de Dieu. Que quelqu'un dise « Amen ». Nous avons désespérément besoin de Dieu parce qu'avec lui et notre relation avec lui et sa vie qui coule à travers nous, quelle que soit la profession dans laquelle vous êtes ou quel que soit le défi auquel vous êtes confronté, c'est sa sagesse qui prévaudra et c'est son habileté divine qui nous permettra d'exceller. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière, en général, les gens de l'Église pensent que cela concerne plus ceux qui sont dans le ministère que ceux qui font les affaires. Je discutais avec un groupe de personnes l'autre jour et je leur ai dit, écoutez les gars, je me rends compte que nous devons prier beaucoup plus dans le ministère. Mais voyez-vous, vous qui êtes sur la place du marché, vous êtes exposés à plus de tentations que nous autres dans le ministère. Vous voyez cela? Parce que je suis entouré des personnes au quotidien dans mon bureau. Des personnes qui aiment Dieu, qui craignent Dieu et peut-être qui tombent par-ci, par-là. Nous faisons tous des erreurs. Mais ils ne sont pas consciemment en train d'essayer de me tenter. Mais quand vous travaillez dans le monde des affaires, vous travaillez dans un bureau avec une femme à moitié nue. Alors, dites-moi maintenant, qui a le plus besoin de prier? Priez afin de ne pas tomber dans la... Donc, qui est le plus tenté?
dans la dimension de tomber et de se donner à la tentation de l'ennemi. Alors ne reléguez pas les Écritures seulement à des personnes qui sont dans le ministère. Les Écritures sont applicables à chacun d'entre nous. Chaque chose, les Écritures sont applicables à chacun d'entre nous. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Mais je veux dire ceci. Je peux continuer d'en parler, mais je ne le veux pas. Je vais me limiter à ceci. Mais je veux dire ceci. Nous devons prier continuellement. Nous devons constamment prier. Nous devons constamment rester dans cette communion avec Dieu pour mener une vie qui a du succès, une vie qui est bénie, une vie qui est prospère. J'espère que vous avez compris ma définition de la prospérité aujourd'hui avec plus de clarté. La prospérité ne se limite pas qu'à votre pouvoir financier. Elle a beaucoup plus à voir avec les intangibles, la paix, la joie, l'harmonie. D'accord? Mais aussi les finances, à coup sûr. Mais ce n'est pas la seule métrique. Maintenant, allons à Actes chapitre 6, s'il vous plaît. Et lisons du verset 1 au verset 6. Et en passant, ce n'est pas mon message principal. Je vais vous parler de l'honneur aujourd'hui. Mais je suis juste en train de vous encourager sur cet aspect de la prière. Parce que je crois réellement que chacun d'entre nous doit comprendre l'importance d'avoir une forte vie de prière. Peu importe combien vous écoutez la parole de Dieu, si vous ne savez pas comment vous connecter à Dieu par la prière, cela ne vous sera pas d'une grande utilité. Que quelqu'un dise Amen. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénites murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y avait donc un défi physique, un problème administratif qui avait été souligné pendant que les chiffres augmentaient et l'Église croissait. Et souvenez-vous que l'administration est aussi très importante dans le ministère parce que le ministère ne va pas grandir et toute autre chose ne grandira pas s'il n'y a pas une bonne administration. Le ministère sera stagnant, aussi loin que vous soyez, aussi puissamment que Dieu vous utilise. Si l'administration n'est pas bien établie, cela va restreindre la croissance et le progrès du ministère ou toute autre opération dans laquelle vous êtes impliqué. Nous allons continuer. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Ils ont dit, « Hey, nous avons des priorités. Nous avons été appelés à prêcher la parole. » Et pas à servir dans l'administration. Verset suivant. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qu'ils soient pleins du Saint-Esprit et que nous chargerons de cet emploi. Attendez. Il n'a pas dit aller chercher quelqu'un qui a été formé à Harvard, qui a fait ISB. Que quelqu'un parle avec moi. Toutes ces choses sont bonnes. Mais le critère que nous recherchons, ce n'est pas de quelle école ils sortent. Sont-ils remplis du Saint-Esprit et remplis de sagesse? Que quelqu'un me parle. S'ils sont remplis du Saint-Esprit, cela veut dire que ce sont des hommes de prière. Alors même si vous êtes dans l'administration, vous devez être un homme de prière. Pas seulement les gens qui prêchent la parole, que quelqu'un dise Amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de la prière pour tout un chacun, peu importe votre vocation, ou votre appel dans la vie, ou votre lieu de service? Amen. Nous allons continuer. Et nous nous appliquerons. Allez, voici ce qu'ils ont dit. Nous nous appliquerons à quoi? Continuellement. Que quelqu'un dise continuellement. Dites-le encore. Soyez constant, il a dit, continuellement dans la prière. Soyez persévérant. Alléluia. Maintenant, ces hommes sont en train de dire, nous allons nous appliquer continuellement à deux choses, la prière et le ministère de la parole. C'est ça notre appel primordial. Alléluia. Alors, quand ils ont commencé à rendre ministère de cette manière, la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 42, Actes chapitre 2, verset 42. Et ils persévéraient. Ils ont persévéré à faire quoi? Ils ont continuellement. Que quelqu'un dise continuellement. Ils continuaient avec persévérance.
Ça veut dire qu'ils étaient fixés vers un but, ils étaient focalisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain et dans la prière. Une église qui prie est une église qui grandit.